dans ça que tu chanté dans Gonaïve. Ancien candidat à la présidence Jean-Charles Moïse fait connaître discours président dans Gonaïve 1er janvier 2018 là c'est un bluff. Dans interview li par Radio Kiskeya, ancien sénateur Noah Pakwe dans projet et Jovenel Moïse comme président qui annonçait état généraux sectoriel depuis l'arrivée dans tête pays à chaque jour l'abdil. Les projets qui ont été dat, mais sans découvrir ça, ils disent qu'ils ont dérapé. Et ils disent tout, c'est un inculpé, ils n'ont pas qu'à faire état généraux. Et le sénateur Jean-Charles Moïse a annoncé qu'il allait reprendre à partir de 9 janvier qui a venu là, dans la commune de Pétionville, levé campé contre le pouvoir, tête carrée numéro 2. N'attendez, ancien candidat à la présidence, non, et ancien sénateur Jean-Charles Moïse, dans le micro Kétia Jean-Pierre Tello. Je crois que, avant de former les peuples haïtiens, je passe en 2017 avec un peu de difficulté. Je ne peux pas dire que le président est quitté. On ne peut pas rien changer. C'est le même discours, même verbe, même parole, il ne peut pas rien changer. C'est toujours un discours bluff, c'est menti, c'est coquin, mesdames. C'est ça que ça passe dans le discours. On voit que vous allez comprendre. J'ai des discours, ça, ouais, de vous passer ça, on m'a présenté comme discours. Ça, c'est un discours, nous sommes capables de dire, qui est symbolique, qui est de voter en vision au pays, hein, qui est de annoncer certaines barrières au pays. Hein. Moi, je n'ai pas gagné. C'est même barrière, même mentir, même derrière chaque année, tout le monde qui présente à qui passe, c'est même barrière, ça, yo. Je crois que nous ne pouvons pas occuper, soit disant discours, Jovenel Moïse, tout le monde dirait, c'est là. Et du tout, dans le discours, on peut parler de. Et d'aller au sectoriel. Je ne m'en attendais bien. Ma parole à voir sur l'antenne radio Kiskeya. Je crois que vous attendez bien pays. L'on parle des états généraux, il y a une différence entre états généraux et sectoriel. États généraux, hein, là, on aboutit quand même à un chamadement système. Ou bien, on vient avec un nouveau système. C'est le débat de ça. Et puis, tout, c'est états généraux qui va le mettre pays. Alors, ce que états généraux et sectoriel, là, c'est-à-dire, c'est un doum qui est d'eau sale, et puis on y est, au moins, on vient de pop pour la glade. Est-ce que Petite Dessalines n'y peut pas participer dans Chita Palisayo, chef l'État, et il y a Pronia, parce qu'il dit qu'il a besoin de tout le monde, opposition, il a besoin de tout le monde pour lui mettre pays à sous rail développement. Je ne sais pas, c'est l'État généraux sexuel, pas nous, c'est les nets. Tout le monde connaît, c'est les nets, Pétionville, Nanker, Pétionville, l'État généraux n'a pas commencé, parce qu'il n'a pas échoué. Pour que vous voyez ça aller. Nous avons une mobilisation qui nous a annoncé pour les mettre à venir là dans 4 états. C'est ça, États-Unis, c'est pour les là. Nous avons tout, c'est laver les mains et puis aller faire son bras sale. Nous n'avons pas même besoin de poser une question. Nous déjà connu les noms, c'est là de qu'est-ce qu'il y a. Attendez bien, oui. Pas les États-Unis sectoriels. Il y a des adélantés dans le conseil électoral permanent, adélantés dans l'année, adélantés dans le conseil constitutionnel, alors que les États-Unis ont supposé, c'est le même qui a dit, mais qu'on va faire ça au fait. Comme nous-mêmes, nous comprenons la politique très bien, nous ne sommes pas les noms amateurs, nous ne sommes pas les noms mondiaux. Qui va commencer à faire, nous qu'aide nous-mêmes, nous avons une ligne, nous avons une victoire, nous avons une vision, nous croyons que notre travail pour que nous puissions porter un changement dans le pays, et nous parlons de nous-mêmes à les neuf pour nous dire que vous ça, pour que nous puissions venir avec un état généraux, pour que tout le monde puisse être ensemble, pour vous élever vous-même. Voilà, c'est le sénateur Moïse Jean-Charles et réaction concernant le discours président fait dans Gonaïve. Bon, l'autre fois encore, ici comme ailleurs, problème protocole vestimentaire là, t'es reposé encore. Et si ne pas tromper, non, pour le continent américain, ça, immédiatement après les États-Unis, c'est et Haïti, deuxième État. Allez déjà dans l'occasion tellement, Jean-Claude Tandel, et 30 décembre qui s'est passé là, tu as rencontré la presse jeudi et jeudi. Pour dire que j'étais choqué et pour le groupe Mounzaïe qui était venu pour gâter et cérémonie enterrement Père Joseph Siboli, même Jean, avec la conférence épiscopale, d'ailleurs, sous même longueur d'onde. Dans ce sens, ça, et famille avec proches parents et Père et Joseph Siboli, famille souqué, et parce que son choc terrible, il prend, on finit par l'année, là que nous connaissons assassin, Blaï Père, et non, contre il y a avec la presse jeudi et jeudi pour dénoncer assassinat ça qui fait souffrir et puis pour continuer demander justice selon première information je dis jeune nommé DCPJ c'est 4 monde qui est arrêté dans 4 enquête cap c'est pour ça demander
pour direction centrale police judiciaire DCPJ continuer enquête li de façon pour qu'a mettre en bas code ni criminel qui t'ai fait zak la ni tout auteur intellectuel moun te caché derrière qui voyait à éliminer père et tout pour qui est dans confiolo pour crime ça a fait comme assassinat ça sous père et Gervens Ricardo Jean-Jacques était présent dans conférence pour la presse a présenté nos reportages. Oui, la mort de Père Simoli est un assassinat. Père Simoli a été criblé de balles. Tout visait sa partie gauche vers le cœur. C'était un assassinat. C'est un assassinat qui était bien planifié d'après frère victime, non, Josué Simoli. Dans la locale fondation pour voter sans misère, Père Joseph Simoli t'a dirigé sur votre frère. Écoutez tout, bandit sans foi ni loi, t'es l'ouvri zam soli. Maman, papa, avec plusieurs autres proches défunts, t'es rassemblé. Après enterrement père catholique là, famille an, qui pas décidé rester dans silence li, levez voile pour réclamer justice, frère là, concerné toute société. A. L'assassin ne se contentait pas de le cribler, il lui a aussi donné de gros coups à la tête au temporal gauche. Tout cela laisse croire que la mort de Père Simoli était préméditée, préparée et planifiée. Nous élevons la voix aujourd'hui pour réclamer justice pour le Père Simoli, pour sa famille, pour l'Église et tout le peuple chrétien, justice pour la société. Nous comptons sur la conférence des évêques d'Haïti, la conférence épiscopale, à soutenir notre lutte en quête de justice pour le Père Simoli et pour les autres prêtres et pasteurs assassinés dans les mêmes circonstances. Yonansa qui intéressait famille Simolia, c'est pour la justice qui veut joindre au terre intellectuel criminel, qui donc, moun qui te pensé Zaksa, et puis qui te voyait l'autre monde aller exécuter. Josué Simoli, qui souligné PA, pas de contact personne, pas souhaité bailler plus d'informations sous enquête DCPJ mené pour le cas faciliter aboutissement dossier. Li fait qu'on est, quel qu'il en soit mon nom, gros chef ou sinon moun qui t'a gagné bois derrière banan li, qui derrière Zaksa, c'est pour la justice, Johnny. Nous faisons confiance à la DCPJ pour faire une bonne enquête et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à identifier les auteurs intellectuels, les co-auteurs et complices de ce crime. Si vous voulez, il y a 4 jeunes bandits, comme nous commençons à joindre, il y a 4 bandits arrêtés. Nous attendons les résultats de l'enquête, quelle que soit la provenance du crime. C'était un gros chef, un gros bois, il y a un gros bois de banan li, depuis les coupables, c'est pour la police arrêter. C'est une émission. Et de fait, avec Loco Désir était des informations qui publient sur YouTube. Où Loco Désir dit que tu as une réunion qui était faite, tu as parlé de Père Simoli, et que tu as eu une réunion qui était dossier Père Simoli qui était sous compte. Le Loco Désir fait une déclaration comme ça. Et dans tout pays sérieux, Loco Désir est sous haute protection de la police, non seulement pour prendre plus d'informations dans même, mais tout pour éviter qu'il ait assassiné Loco Désir. Mais nous ne pouvons pas confirmer rien. Fedner Simoli, l'autre frère victime, non. Voyez yon pinga pour d'après Saldi, en ken secteur pas profiter la mopéa pour yon régler les affaires yo. Mais li pa écarté hypothèse, ta capable gen yon main politique derrière crime ça. Li critique tout comportement kek moun te gen nan teman, kote yon te tombe fait bruit, protester nan moment cardinal Chibli Lanclois ta pren la parole. Fedner Simoli a tiré attention sur nécessité li kwe ki genyen pour conférence évêque Haïti yo foure bouche li nan causea. Père à joindre justice. La famille refusait de accuser quel que soit secteur. Nous pas écarté pièce hypothèse, mais nous intelligents tout, faut nous éviter que on sorte d'instrumentalisation de événement qui fait oui Père Simoli assassiné, mais faut pas que bon secteur qui récupère dans intérêt pas. Nous profiter pour tes sympathies nous à cardinal Chibli. Faut que toute institution rend responsabilité pour que au moins ces derniers prêtres qui tombent. Commencez par la conférence épiscopale d'Haïti, qui est une victime tout. Il faut lui exiger que vous balle justice, parce que c'est capable. Nous-mêmes, famille, nous demandons formellement pour vous faire de cas à leur cas. Sinon, nous n'en cas. Famille à proche, Père Joseph Simoli, vous rappelez, le mot prêtre catholique là, vini ajouter sous l'ispère bandit assassiné dans le pays. Nous songez, Père Jean-Pierre lui, il était relé dans l'église là, Petit Jean, t'es mouru assassiné dans la cour Cédèbre, avenue du Chili, dans l'année 1998. Avant ça, Père Jean-Marie Vincent, alias Jean-Boul, t'es tombé en babal négamé devant Kay, Père Montfortin yo, dans Ribossan, Port-au-Prince, 28 août 1994. Yon nan Père Sayo pour qu'on joigne justice. Est-ce que l'ab différent pour Père Joseph Simoli? C'est ça, famille a espéré. Gervens Ricardo Jean-Jacques, Radio Kiskea.
Oui, il y a un pasteur tout qui mourit, j'ai que un frère et Père Simoli était dit. Et il y a un pasteur Leroy qui était assassiné tout par un de justice. Et plusieurs autres mondes dans le secteur religieux et qui mourit comme ça. Il y a un pasteur Moleste qui était assassiné par un de justice jusqu'à présent. Et puis il y a un aspect très important là que un frère Père Simoli a soulevé qui paraît en contradiction à la déclaration de la police t'a fait parce que il dit que l'assassin a touché Père, touché parce que frappé. Pas seulement tiré sous lui, mais au balcou. Et la police n'a pas rapporté à ce ça. La police t'a parlé de tirer à bout portant dans le moment où elle a fini de barrière et puis la rentrée, il a tiré sous lui. Mais il faut bien révéler qu'elle prend un coup tout dans les assassins. Premier coup de peine dans l'actualité internationale, là, à peine, nous sommes allés déjà tout à l'heure concernant l'accident qui fait dans le pays Pérou. Mais coup de là, nous allons dans Washington. Donald Trump a déchaîné, jeudi, après que Eminence Grizzly et Steve Bannon écrit un livre qui va sortir demain qui finit avec un petit garçon qui fait connaître qui trahit le peuple américain. Donald Trump, et c'est ça que le pas dit, ancien conseiller là, qui a affirmé dans le livre qui apparaît demain dans le pays États-Unis que petit garçon président monsieur son traite qui trahit peuple américain lequel talent rencontre avec représentant la Russie donc divorce non sur la place publique qu'on est là entre Donald Trump à Steve Bannon que considéré comme éminence grizzly qui mène dans le pouvoir et prend même façon que ça a déroulé quoi là comme si c'est règlement de compte qui a fait sur la place publique à distance parce que deux messieurs pas face à face et ça, pour jeudi à président américain il parti à bord ancien conseiller là non communiqué c'est pas habitude de la troupe donc on est ça tweet qui servi et ben il manche un communiqué qui paraît dans la presse jeudi hein, et pour le dénoncer Steve Bannon et il fait connaître que monsieur et son homme qui perd du tête ni dans Texas et côté que monsieur très agressif bon son président toujours agressif Donald Trump lui affirmer que Steve Bannon non seulement monsieur perd du job li il mettait la tête révoquée dans Maison Blanche non et là que il débarquait monsieur a dit mettait la tête dans Maison Blanche dans mandat qui se passait là donc monsieur pas un job mais tout il dit monsieur perdu la raison qui donc monsieur perd du tête il est fou. Et les retournent dans les sites internet là Breitbart News là ou un site extrême droite que l'a dirigé et c'est lui qui était soutenu candidature et Trump les personnes monde pas quoi banon te quoi et bien jeudi a li affirmé dans livre ça que les fire on fire inside the Trump White House et du feu à fureur dans Maison Blanche Trump là et un livre et qui doit paraître semaine ça même et que Donald Trump et apprendre que petit garçon Donald Trump Junior et Bannon accusé dans le livre ça et que monsieur son traite il trahit peuple américain l'elle rencontre avec un avocat russe que Kremlin t'a envoyé pour devine porter information pour sale Hillary Clinton peut être couler dans élection présidentielle même si vous pensez que c'était pas une trahison et pas c'est pas antipatriotique ou bien c'est pas une connerie qui donc une bêtise qu'on commet et bien moi-même moi pensais que c'est tout ça ensemble ça veut dire son trahison son comportement antipatriotique et puis son bêtise une connerie c'est ça le dit petit garçon président et le fait que ou pas de courir immédiatement de les FBI ou pas de parler à dame ça d'après ça Bannon écrit dans livre ça qui porte signature Michael Wolff et que de Guardian et joigne de publier ça les bonnes feuilles de publier en avance une série de feuilles importantes dans livre ça accusation et papa c'est du tout beaucoup de fois mis trop là il a pas digéré et papa c'est lui même qui a défendu petite non alors que tout entourage non je dis il y a un bail une enquête et peut-être j'étais dans confiolo d'après ça il dit c'est ça chercher vérifier dans occasion campagne électorale parti républicain pour te couler il a écrit Clinton il a fait alliance avec la Russie et côté gon procureur spécial nous connaît qu'a peine enquête sur Robert Mueller et côté tout il minimiser rôle que et Maison Blanche était capable gagner selon Trump yo Donald Trump affirmé que Bannon pas rien pour loi avec lui ni avec Maison Blanche qui donc présidence donc son n'est pas reconnaître même d'après ça le dit et journée jeudi il lague pour contre Steve Bannon
eh bien, il réalisait que pour gagner la victoire, ce n'est pas pareil qui facile. D'après ça, Donald Trump a poursuivre dans notre lien, et il fait connaître tout, et monsieur Sonègre, et depuis que il perdit poste dans la Maison Blanche, il perdit tête, et il rend monsieur responsable, d'après avoir parti républicain, perdu un poste important, poste sénateur, dans Alabama. Et à côté que parti, candidat là, il mort des poussières, les rois, il mort, et monsieur était en bas, et accusation, mou. Il était en bas accusation, agression sexuelle, et pour président, et Steve Bannon, et pas représenté base électorale. Il s'est menti, c'est pas vrai. Il dit que monsieur, ses propres intérêts, pas la défense. Donc Donald Trump continue toujours à attaquer Steve Bannon. Je ne jodi a communiqué ça, le passé avec Twitter jodi pour répondre monsieur. Il prétend que la peine la guerre contre les médias, c'est menti. Et d'après ça, et Trump dit, il fait connaître fake news et filtré pour tomber dans les médias, pour te cabaille tête plus importance que te gagne réellement dans la Maison Blanche. C'est toujours trop capable. Et alors que Gemos que 5 mois, c'est pas de loin je dis d'affaire pour Steve Bannon, il s'est présenté comme nos amis, comme un homme de bien et il dit que la presse t'est maltraité. Et je ne veux dire c'est sale blié, il va dire. N'a pour retourner la caille nous va aller en province d'abord dans le nord-est. Et dans quatre batailles, autorité locale yo di ap menen contre Zenglendo et gagne la police qui dit arrêter deux moun qui t'en en activité et bandi dans le département représenté par la presse selon correspondant nous Benoît Lafontaine c'est dans la zone Mombé Cochu. Policiers dans la commune Mombé Cochu avec paysans dans la première section communale là arrêté deux bandits notoires, il s'agit Dieu seul Donald alias Tido, âgé de 17 années, Kadé Chakendi alias Chaké, âgé de 19 années. De Bodisayo, toujours à intimider paysan Sayo, toujours à pas de problème. Côté, ils ont été fait ensemble avec les policiers, ils ont été avec les bébés, ils ont été deux armes créoles pour la population. Mais vu tout autant des policiers Thierry qui ont expliqué le micro qui a dit ce en tout cas, il n'y a pas de portant parce que direction départementale police nationale là. Notre santé voyait chercher deux bandits pour que qu'ils aient réfléchi dans la prison pour liberté et en attendant pour qu'ils soient capables de paraître devant le commissaire. En tout cas, la police a demandé pour la population capable de collaborer avec eux. Mon décroché, métropole nord-est, Benoît, l'important pour la société. Oui, nous parlons dans Gredos, député Ozoa, Ronald Toussaint, avec député Jérémia, Madame Gladys Saint-Jean lundi, te distribué et aide manger avec jouette. Et bien, nous dans zone en circonscription, ça une occasion fête finissement l'année. D'après sa correspondante, Charles-Émile Joassin, fait qu'on est. Dans l'occasion fin d'année 2017, là, agronome Ronald Toussaint, député de circonscription commune Rozoa, s'est fait distribution de plusieurs kits alimentaires par la population commune. Député Ronald Toussaint, membre de la population, pour continuer à faire confiance après le travail plus avec le président Jovenel Moïse pour avancement commune. Député de circonscription commune Jérémia, maître Gladys Saint-Jean lundi, dans l'occasion fin d'année 2017, là, à commencement 2018, là, c'est arrivé à distribuer divers kits alimentaires avec plusieurs jouets pour Timounio. Député Gladys Saint-Jean lundi, ces populations en connaissent, sont déterminées pour le travail dans l'intérêt du peuple, qu'on s'alimente pour prendre aussi patience. Député Gladys Saint-Jean lundi, dit qu'il prend le travail avec détermination pour la commune Jérémia avec Mafra, prend une autre dimension. Charles. Émile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy.
Mais si pour la première fois depuis environ 30 ans, neige tombée en Floride, et un peu de monde qui bat jamais ça, je ne veux dire, il y a saisi tellement fait fret dans le pays États-Unis, et réduit ça qui a frappé côte est américain, et bien l'irrivé attaqué même, et son state là, qui c'est État soleil là, et Floride, et côté neige tombée dans le nord État Floride. Service météorologique national américain, voyez un pinga, et parce que il dit que gongo tempête hivernale et qui capable la cause en pile neige tomber jeudi à demain dans sud Floride juste dans région Nouvelle-Angleterre dans nord-est pays États-Unis. Tallahassee qui c'est capitale Floride et dans nord état et Sunshine State et il levé matin en bas une couche neige 0,25 cm quand même et première quantité neige il est arrivé mesuré depuis 1989 dans état ça selon chaîne et qui spécialisé cette télévision qui baille météo seulement dans pays États-Unis média yo dans Floride et puis monde dans Floride a regardé image ça yo yo plus habitué à mauvais temps ouragan que neige et yo couru pour publier photos et sous réseaux sociaux qui montraient neige dans l'État Floride. La folle a campé.